Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue pour votre tirage horoscope. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le Tarot Renard et le Lenormand Reflet de Lune. Ce sont deux jeux que j'ai créés. Vous les retrouvez dans ma boutique dont vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. Et un oracle, le message des papillons d'Anana Fairchild dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement. Alors, je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on va commencer tout de suite avec deux cartes de tarot. Alors, pour vous ce mois-ci, les Capricornes, nous avons la magnifique carte de l'impératrice et le 7 de bâton. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Donc ici, il y a deux notions. Au niveau de la carte de l'impératrice, on a cette idée d'être très créatif. Là, ça va... c'est un mois où vous allez être très créatif, beaucoup d'envie de créer, que ce soit à travers le dessin, l'écriture, le chant, la danse, le land art, ce que vous voulez. Mais il y a cette idée de création qui est présente. Il y a aussi cette idée de vouloir prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin de son foyer, prendre soin des personnes qu'on aime. Et c'est là qu'entre en jeu un petit peu ce 7 de bâton. Vous voyez que ce renard est en train de défendre les récoltes par rapport aux petits oiseaux qui veulent venir les grignoter. Et on a cette idée d'avoir passé du temps à créer des choses, d'avoir mis en place son énergie, enfin d'avoir donné de son énergie, de son temps, pour que quelque chose vienne au monde, que quelque chose naisse, que quelque chose grandisse, que ce soit un être, un petit être, que ce soit à travers un projet. Et aujourd'hui, ce projet va être peut-être un petit peu, ce projet, ou en tout cas ce que vous avez créé, va être un petit peu ballotté, va être, entre guillemets, un petit peu mis en danger, mis à mal. Et vous allez prendre ce rôle de défenseur, vous allez prendre ce rôle de protection, de protéger ce que vous avez créé. Donc il y a cette idée, vraiment cette volonté de prendre soin sous tous les aspects possibles, y compris en adoptant un rôle qui va être un petit peu plus guerrier. Pour le coup. Ce rôle guerrier, on ne le retrouve pas spécialement avec l'impératrice, mais l'impératrice, c'est aussi une femme forte, c'est aussi une femme déterminée à prendre soin de ce qu'elle aime, et quitte à incarner justement ce 7 de bâton ici qui va se retrouver en mode guerrier. Donc attendez-vous un petit peu à devoir protéger vos idées, protéger vos projets, protéger ce que vous chérissez. C'est un peu le rôle que vous vous êtes fixé avec cette impératrice, où à partir du moment où vous avez décidé de créer quelque chose, de faire quelque chose, vous vous donnez à fond et vous ne lésinez pas sur les moyens, quel que soit le temps que vous avez passé, l'investissement que vous y avez mis. Vous vous êtes lancé et maintenant vous protégez cette création jusqu'au bout. Voilà, donc on peut parler bien sûr un petit peu de conflit ici et d'être en mode de défense. Donc il y a cette idée autant de créativité que de défendre ce que vous avez créé. Donc attendez-vous à devoir défendre vos idées, vos points de vue également. Alors, avec le Lenormand, on a la carte du bouquet, la carte du livre, la carte du trèfle, la carte du cœur. On en revient au cœur, hein. Le cœur qui bien sûr est le symbole, d'ailleurs vous le retrouvez ici, de l'impératrice. Alors, il y a également un temps d'apprentissage pour vous qui arrive, de connaissances, d'utiliser vos connaissances ou alors d'avoir accès à certaines connaissances un peu sur un coup de chance avec la carte du trèfle. Vous aviez besoin de certaines connaissances et on va un petit peu vous les offrir sur un plateau pour ce mois-ci et vous allez recevoir ça vraiment comme un cadeau. Donc là, si vous avez l'opportunité de mettre en place ou de faire des choses qui vous tenaient en cœur depuis longtemps, sautez vraiment sur l'occasion, ne laissez pas passer cette occasion-là. D'autant plus que ces connaissances, elles vont vous être très profitables. Non seulement vous allez vous sentir bien à votre place
dans cet enseignement que vous allez suivre, que vous allez proposer peut-être aussi, parce que là on est autant dans l'idée soit de suivre une formation, soit de pouvoir donner une formation. Ça peut être aussi suivre une conférence, donner une conférence, ça peut être le fait d'apprendre quelque chose de nouveau ou de transmettre un savoir. Après, avec la carte du livre, ça peut être, vous savez, avec le Lenormand, hein, des fois on est très terre à terre, mais peut-être qu'on va vous offrir tout simplement un livre. Ça faisait très longtemps que vous en rêviez, et là, vous allez le trouver ou on va vous l'offrir, et ça va vous faire extrêmement plaisir. Dans ce tirage, il y a vraiment une notion de plaisir, il y a une notion de cadeau qui est là, et d'opportunité. Donc c'est un tirage déjà qui est très, très positif aussi. Et il y a aussi peut-être la révélation de certains secrets qui vont vous permettre de vous libérer d'un poids. De vous libérer d'un poids et d'entrer beaucoup plus en connexion avec, soit avec vous-même. Voilà, vous vous êtes libéré de quelque chose et là vous vous sentez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus libre d'être vous-même. Soit de vraiment rentrer en connexion avec la personne qui vous délivre ce secret, qui va vous partager ce secret. Et ça va créer vraiment une très très belle harmonie en fait ici. Donc on est bien aussi dans cette idée d'harmonie avec la carte du bouquet. Alors, on va terminer ce tirage avec une carte des papillons. Alors, je vous montre votre papillon pour vous. Voilà. Je peux explorer des mondes inconnus et essayer de nouvelles choses en toute sécurité. Voilà, tout à fait, c'est un petit peu cette idée aussi avec l'apprentissage qui est ici, avec la créativité de l'impératrice, c'est de ne pas hésiter à vous plonger dans des mondes inconnus, dans des choses qui vous tenaient à cœur mais que vous n'osiez pas faire. Donc ici, le mot d'ordre aussi pour ce mois-ci, ça va être « oser ». Faites les choses, osez faire les choses. C'est également, souvent on donne tout un tas de conseils sur le lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. D'accord, c'est bien joli, mais comment on fait pour lâcher prise? Et très souvent la réponse à cette question se trouve dans ce simple verbe, oser. Oser faire les choses, oser se lancer. Et là tout d'un coup, c'est aussi oser mettre en place les choses et se lancer, c'est aussi se libérer d'une attente, se libérer d'un poids et aller dans cette zone où on lâche prise. On lâche prise et on ose et puis on voit ce que ça donne. Et on reste dans cet émerveillement de se dire qu'est-ce que ça va donner. Soyons un peu fous, soyons un peu curieux, soyons des explorateurs. Donc ici, soyez des explorateurs, n'ayez pas peur, explorez, vous allez découvrir tout un tas de belles opportunités, comme on l'a vu avec le tirage de Lenormand, donc des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, et puis on vous dit en plus d'y aller en toute sécurité, voilà, qu'il n'y a aucun danger à découvrir de nouvelles choses, et puis vous mettre un petit peu dans cet état d'insécurité. Vous avez l'impression d'être en insécurité parce que vous allez tester de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses, mais en réalité, vous êtes tout à fait capable de les faire et de rester dans votre zone de confort aussi. Voilà. Alors voilà pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite un très très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Bye bye !